Bonjour, bonjour la team. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on est mercredi, on est le 23. On est le 23 octobre. Je regarde, mais ça sert à rien. On est le 23 octobre. J'espère que vous allez bien. Nous, aujourd'hui, on a un temps de folie, encore une fois. Vraiment, mode printemps. Faut pas chercher à comprendre. Bon, hier, j'ai amené Elia en ville et j'ai vu qu'il y avait enfin, des trucs qui étaient rentrés chez Noz. Donc, je me suis arrêtée, moi, devant Noz, que j'y passe. Et j'ai trouvé quelques petits trucs, donc je vais vous les montrer. Alors moi, il n'y avait plus rien. C'était... voilà, il y avait des gens qui sont passés avant moi, ils ont tout pris. Donc moi, j'ai eu les restes, mais voilà, j'ai quand même trouvé des petites choses, donc je vais vous les montrer. Alors c'est la marque P13, et il y avait vraiment des trucs bien sympathiques. Moi, par contre, chez moi, il restait genre 2 blocs 30-30, mais j'ai pas pris, parce qu'ils ne me plaisaient pas. Ils étaient à 5 euros, mais sinon, voilà, j'ai trouvé des petits blocs 15-15. Enfin bon, voilà, j'ai trouvé des petits trucs. Donc... petite vidéo où je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Alors, comme je vous dis, il n'y a pas énormément de trucs. Il y avait le fond du bac chez moi. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je sais pas en plus, il y avait des. Parce que là, vous voyez, j'ai trouvé des petites choses comme ceci de Noël. Alors, ça, c'était 59 centimes. C'est des petits die cuts comme ça à découper. Qui ont l'air vraiment. Même pas, c'est des stickers. Non, c'est des stickers en forme die cut. Enfin, bref. Et alors je sais pas s'il y avait les papiers ou pas. Franchement, il y aurait eu les papiers, j'aurais trop kiffé sur Noël. Mais bon, c'est pas grave. Donc ben, j'ai pris celui-ci. Voilà. Je vous dis, j'ai pris ce qu'il y avait. Hein. Que j'ai trouvé vraiment très sympathique. Donc, bah, thème Noël, hein, snow, cozy, winter, ho ho ho. Il y a même écrit Noël en français ici. Donc voilà, celui-ci j'ai bien aimé. Là, on a même des carrés comme ceci, style un petit peu. Polaroid, donc bien sympa. Et après celui-ci, il est dans le même modèle à peu près, ouais, à peu près on va dire. Mais voilà, sur un Noël, mais un thème un petit peu bleuté vert, vous voyez, pareil, sympathique aussi. Et toujours 59 centimes. Donc voilà, j'ai trouvé ça bien sympa. Alors je sais pas, dites-moi si vous, il y avait des papiers de Noël, parce que j'ai aussi trouvé des trucs de Noël. Après, je voulais aller dans mon autre noce, mais j'avais pas le temps et j'avais pas la foi. Donc, j'y suis pas allée. Alors, ensuite, dans la même gamme, comme ça, du coup, j'ai trouvé aussi celui-ci en Noël. Donc, je pense qu'il va avec lui, là, parce que c'est à peu près les mêmes couleurs. Pareil, dans les tons un petit peu bleu-vert et gris. Voilà. Donc, Winter Wonderland, chocolate, enfin bon, voilà. Donc, un petit casse-noisette, New Year. Donc, celui-là, il fait peut-être plus hivernal que Noël, mais il est sympathique. Et j'ai trouvé aussi celui-ci, pareil, qui était dans le thème de Noël. Voilà, ils étaient tous dans le thème de Noël et j'ai trouvé ça bien cool. Ouais, c'était cool. J'étais contente de trouver ça quand même. Voilà, donc ceci. Ensuite, j'ai trouvé aussi donc des petites choses comme ça là. Donc ça c'est cool. Ça c'est pareil, c'était 79 centimes. Donc là, ça valait le coup hein, pour une fois. C'était pas trop cher. Mais pareil, c'était sur le thème de Noël. Donc vraiment, s'il y avait les papiers, je suis dégoûtée parce que là j'aurais bien aimé avoir les papiers qui vont avec. Bon après, j'en ai plein de papiers. Vous allez me dire, hein. T'as de quoi faire, Betty. Je sais. Mais bon, voilà. C'est bien d'avoir la collection. Donc là, c'est des petits tags, vous voyez. Alors, on a un petit renne. On a un petit lutin. On a ceci, une poinsettia mais rose. Un nounours. On retrouve le petit lutin ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et un Père Noël. Voilà. Donc là, c'est des petits sachets comme ça. Ça, c'est bien sympathique. Ah, attendez, il y en a encore un. Et un petit truc comme ça. Voilà. Donc dedans on a 7 pièces. Donc comme je vous dis, hein, c'est pas très très cher. Et ça c'est bien cool pour rajouter sur des petites choses, des petites créas. Ça c'est bien. Donc j'ai trouvé ça. Ensuite, pareil, dans la même collection, quoi. Des papiers die cut Garland. Donc là dedans, on a 15 pièces. On va ouvrir. Toujours 79 centimes. Donc franchement, ça va. Je vous dis, j'ai pas compris par contre les prix des blocs. Quoique, si c'est ça. En 30-30 et des blocs en 15-15. Les 15-15, ça va, ils étaient pas chers. Pareil, il y avait plus. Je vous dis, ça a été vidé. J'étais deg. Je suis arrivée après la guerre. Donc là, on a des genres de fanions. Donc ceux-là, ils sont grands, vous voyez.
Ah mais c'est recto verso, j'ai pas regardé, c'était recto verso. Donc là en fait c'est recto verso, on a le petit lutin qui fait son petit sapin. Ensuite derrière on a ça. Ensuite on a un papier comme ceci vert et derrière on a le Père Noël. Trop sympa. Ensuite nous avons ceci. Après je m'arrêterai à mon autre nose. Après si on avait fait à celui-là, l'autre il doit être vide aussi. Mais vu qu'on doit bouger vendredi. Je m'y arrêterai quand même voir si je trouve quelque chose. Mais bon, comme je vous dis, ça m'étonnerait. On les en double ceux-là, d'accord. Ah non. Christmas is here. Noël, c'est ici. Ensuite, on a celui-ci. Ah, c'est pas les mêmes, hein, à chaque fois. Non, c'est pas les mêmes à chaque fois, vous voyez. Alors, autant le derrière, c'est pareil, mais le devant, vous voyez, c'est différent. Ils sont cool, moi j'aime bien. Donc là, on retrouve le Père Noël avec son traîneau. Ici, on a un petit champignon. Et là, on a un... Alors, bon, là, vous pouvez faire une guirlande, mais pas que, hein. Et on a ceci. On a le petit renne. Ceci. Et là, on a Falala et celui-ci. Donc, après, voilà, il y en a qui peuvent mettre en guirlande ou quoi aux caisses, mais là, on n'est pas obligé de mettre en guirlande. Donc, là, on a dans celui-ci 15 pièces par contre. Et moi, j'aime bien l'esprit petite pochette comme ça. Franchement, ça fait vraiment pas cher, quoi. Ensuite, ben, dans le même thème, voilà, encore une fois, des petits tags comme ça. Il y a 5 pièces, pardon, à l'intérieur, toujours 79 centimes. Je découvre avec vous, hein, parce que bon, moi, j'ai pas ouvert. Et je vous dis, il n'y avait plus que ça. Même ceux-là que j'ai pris, là, il n'y en restait plus qu'un à chaque fois. Il y en avait. Voilà. Il n'y avait plus rien. C'était dévalisé. Mais bon. C'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette. Alors, je vous montre, ça se trouve dans vos noces. Il y a encore chez vous, je sais pas. Alors, nous avons des petits tags comme ça. Ça, c'est vraiment très sympa pour mettre sur des cartes ou autre. Donc là, on a Merry Christmas. Donc ça, c'est top. Là, on a le petit lutin. Et c'est toujours, vous voyez, dans la même collection en plus. Hein. Là, on a le traîneau. Là, on a une petite fille comme ceci. Là, on a une fleur. Et là, on a la lettre du Père Noël. Letter to Santa. Vous voyez, c'est cool. Hein. Je trouve ça très sympa, moi. Qu'est-ce qu'il y a, mon titi? Donc là, un comme ça. Là, on a celui-ci. Alors, il y a marqué Ephemera. Pareil, dans la même gamme, 12 pièces et toujours 79 centimes. Alors, les éphéméras, tout ça, j'ai trouvé que ça. Par contre, j'ai pas trouvé après dans les petits blocs 15-15. Ça se trouve, il y avait. Hein. Et après, les grands blocs, ils étaient sympas, mais il y avait en plus un collection. Il y en avait des sympas, mais bon. Après. Alors, on a. Pas mal ça. Alors ça c'est éphéméra. Alors fais voir. Parce que normalement on m'avait dit éphéméra c'est des stickers. Vous voyez, éphéméra c'est pas tout le temps des stickers. C'est bien ce que je disais. Mais bon, on veut toujours me contredire. Voilà. Donc ça c'est des éphéméras mais pas stickers. Donc on a un petit carré comme ceci. Ça c'est vraiment sympa. J'adore les petits trucs comme ça là. Tac. Ensuite, on a des carrés comme ça où je pense que dedans on peut mettre aussi les. Vous voyez? Spécial delivery, vous voyez, vous mettez un petit truc un peu même tordu comme ça peut être vraiment très sympa. Moi, il me tarde trop de scraper le Noël là, je vous jure. Là, on a Jingle Bells, The Magic of Christmas, Merry and Bright, Santa is Coming. Et là, on a Holly Jolly. Holly Jolly, et les autres, c'était. Have a very Merry Christmas. On a quand même pas mal de mots. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mots. Bon, après, ils ne sont pas en français, mais voilà. Hein. Mais on en a 12 dedans. Et ensuite, on a ben voilà, un carré comme ça, un rectangle, et après des petits machins comme ça. Donc, pareil. Là, on peut le mettre comme ça, ou après, on peut faire un petit décalé ou les garder. Mais après, je ne sais pas, vous voyez si ça va dedans. Genre le fin, on peut le mettre dedans.
ça passe. Enfin voilà, on peut jongler. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment trop bien. Voilà, trop trop bien. Moi, j'adore. C'est trop chouette. Et en plus, c'est sur le thème de Noël. Ça arrive cette saison, donc c'est plutôt cool. Après, si vous cherchez par contre des choses d'Halloween, tout ça, il y en a plein. Et là, ils ont commencé à rentrer la déco de Noël aussi. Voilà, si vous cherchez à Noz, il y a pas mal de déco de Noël. Donc voilà. Ensuite, j'ai. Ah oui, si. Il y en avait un comme ça. Alors, ça, par contre, vous voyez, c'est dans la gamme bleue. C'est ça qui est bizarre. Donc, vraiment, je ne sais pas s'il y avait les papiers. Dites-moi si vous avez eu la chance d'avoir les papiers. Et toujours 79 centimes. Et là, c'est des petits tickets. Éphéméra à tickets. Et là, on a 9 pièces. Couche-toi, mon loulou. Alors là, on a 9 pièces. Excusez-moi. Pareil, ils sont pas autocollants. Donc là, on a des tickets comme ceci là. Donc il y a marqué Noël, Cool Witches et Choose Joy. Donc vous voyez, c'est des tickets comme ça. Mais après, on peut les, on peut, ouais, vous voyez, ils se découpent. Donc on en a des comme ça. Je trouve ça super chouette aussi. On a un comme ça, tout petit. Ensuite, on a ceux-là. On a celui-ci. On a comme ça. Après, on a deux casse-noisettes. Après, on a comme ça là. Des petits feuillages, genre comme des branches de sapin. Là, pareil, comme des branches de sapin avec des fleurs et il y en a un où c'est des petites bougies. Et là, on a une chaussette et des fleurs. Voilà, donc ouais, j'ai trouvé celui-ci aussi dans les tons de bleu. En fait, j'ai pris tout ce qu'il y avait. Puis bon, 79 centimes, franchement, ça va. Ensuite, ben, j'ai pris un cahier comme ceci. Alors, c'est un cahier qui n'est pas ligné, qui est, voilà, comme ça. Donc ça, c'est bien aussi, parce que, voilà, ça permet de faire du journaling ou des petites choses qui peuvent être bien sympathiques. Après, je sais, ça, c'est 99 centimes. Et par contre, au niveau des pages, je ne sais pas combien il y en a dedans. Pareil, c'est du P13. Il y en a 10. J'allais dire ça, on pourrait l'utiliser pour faire un aidez-moi, s'il vous plaît. Oui, vous n'allez pas m'aider parce que vous savez pas de quoi je parle. N'importe quoi, la fille. Pour Noël, un December Daily, mais en fait, non, on peut pas parce qu'il y a pas, il y aurait eu 12 feuilles encore, on aurait pu, mais en fait, non. Et alors, après, j'ai deux blocs en 15-15, donc ça c'était 1,99, donc ça passe. Et comme je vous dis, je crois que les gros blocs en 30-30, ils étaient à 4,99 ou 3,99, je sais plus. Donc, moi j'ai pris celui-ci, alors rien à voir avec Noël, hein, vous voyez, c'est ça qui est dommage, mais peut-être qu'il y avait. Donc, il s'appelle Stitch with Love, comme ceci, il est à base de fleurs. Et je l'ai trouvé sympathique, donc voilà, je l'ai pris. Vous voyez, regardez la première page, déjà rien qu'avec les petits boutons comme ça, les fleurs roses, etc. Franchement, il est juste canon. Là, on a combien de pages? On a 24 pages, donc ça c'est cool. Et je crois qu'on a du double, hein, mais bon, moi ça je m'en fiche. Après, on a celle-ci qui est très jolie dans les tons de rose et violet. Derrière, c'est une feuille rose basique. Après, on a des couronnes de feuilles comme ceci. Ensuite, on a des feuilles comme ça. Après, on a ça. Vous voyez, ça fait comme des petites lignes comme ça. C'est sympa aussi. Après, on a, ça fait mal aux yeux, des carreaux violets et blancs comme ça. Ensuite, on a des cercles à broder. C'est original. Une feuille à carreaux Vichy, enfin un type Vichy comme l'autre d'avant, mais dans les tons de vert. Ensuite, on a des petits carrés à découper ici. Derrière, c'est avec des petits pois blancs et rose clair. Après, pareil, comme tout à l'heure, un petit peu, ça fait des petites lignes comme ça. Moi, je trouve cool. Et ensuite, on a dans les tons verts. Et après, est-ce qu'on recommence? Je crois que oui. Parce que c'est la même. C'est la même. Voilà. Donc, en fait, c'est en trois fois qu'on les a, celles-là. Voilà.
Donc moi je le trouve vraiment sympathique. Et par contre, vous voyez, entre là et là, c'est pas les mêmes. Donc là, on va retrouver deux cercles à broder, des feuillages. Et là, on retrouve ça. Alors que moi, je le trouve vraiment. Enfin voilà, je trouve vraiment très joli. Et ça change les fleurs, vous voyez, elles sont vraiment. Voilà. Enfin, moi j'aime bien. Pour le prix. Et ensuite, on a Ladies Diary. Et pareil, donc 1,99 du 15-15. Et là, donc ça va être pareil dans les thèmes fleuris. Hein, comme ceci. Mais on a un peu de bleu, un peu de. Voilà. Donc on a des fleurs comme ceci. Ouais, trop de fleurs, tue la fleur. Après, on a ça. Après, nous avons ça. Alors là, ça fait des petites bouteilles de parfum. On a des lunettes, des bouquins. Voilà, un appareil photo. Vous voyez, en fait, on a plusieurs petites choses là qui sont cool. Après, on a un papier dans les tons de verre comme ça. Ensuite, on a celle-ci. Pareil, fleurie. Après, on a ça. Alors, c'est pas blanc, ça fait un petit peu moucheté celle-ci. Après, on a celle-là. On retrouve toutes les petites choses qu'on a vues tout à l'heure là, qui est pas mal. Là, pareil, dans les tons de rose, un petit peu. Ça fait pas moucheté, mais vous voyez, ça fait un petit peu. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Là, on retrouve les rectangles ou des carrés à découper. Là, on a un papier bleu comme ça. J'adore les comme ça rire. Ensuite, on retrouve le planeur. En fait, voilà, c'est ça en fait, Lady Diary. Hein, c'est un peu tout ce qu'elle peut avoir, la femme. Hein. L'appareil photo, le rouge à lèvres, le parfait, le planeur, le petit haut, le pantalon, la montre. C'est rigolo. Ensuite, on a des feuillages comme ceci. Et après, on retombe sur le même. Et derrière, là, on va avoir juste. Hop, ça, la galère à découper, quoi. Là, on a des fleurs. Et là, on a des feuillages. C'est pour ça que c'est bien d'avoir les petites choses comme ça qui vont avec, vous voyez, pour pouvoir mettre avec les trucs. Mais bon, là, juste avec les papiers, comme ça, déjà, on peut faire des super beaux trucs, hein, vous voyez. Là, vous prenez un papier bleu derrière. J'ai pas de papier bleu, mais vous voyez, un bleu roi, là, pour faire une carte ou autre. Franchement, ça tue. Donc, voilà, mes petites trouvailles. Écoutez, je suis un peu déçue parce que je pense qu'il y avait vachement plus de choses. Mais je suis quand même très contente. Voilà, il faut se contenter de ce qu'on a dans la vie, hein. Voilà, pas être trop gourmand. Et moi, je suis contente déjà de ce que j'ai pu avoir chez Noz. Je vous dis, j'irai voir dans mon autre Noz, mais sans conviction, parce que là, c'est vite parti. C'est vrai que ça, c'était des belles petites pépites. Pour une fois, en plus, ça faisait super longtemps qu'ils n'avaient pas rentré. Alors, je crois que j'ai vu passer aussi. C'est pas j'ai vu passer, c'est qu'on m'a dit. Il y a des. Chez moi, ça y avait pas. Mais il y a des tampons qui sont sortis et ils ont encore ressorti des die cuts de chez Sizzix. Voilà, moi, ça m'intéresse pas. Il y a des alphabets, des machins, enfin, les trucs qu'on a, les basiques, quoi. Mais bon, pour celles qui débutent ou pour celles qui ont pas, je crois qu'il y a des arrivages comme ça. Mais pas chez moi. Voilà, chez moi, il y en avait pas. Donc, voilà. Et puis, ça fait des beaux papiers. Pour le prix, franchement, ça reste. Trop bien bien raisonnable et vu qu'il n'y a plus rien chez Action en ce moment j'ai envie de vous dire hein voilà bon allez sur ce la team je vous laisse j'espère que cette petite vidéo vous aura plu j'espère que dans vos noz vous trouverez et aussi si vous n'avez pas de noz je suis vraiment désolée c'est pas pour vous narguer encore une fois mais je vous montre ce que j'ai trouvé voilà allez sur ce je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite prenez soin de vous la team restez comme vous êtes et surtout protégez-vous bisous.